Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 28 de Au coin du DVD. Épisode qui est toujours sous le signe de la lettre M, dans laquelle, comme je le disais la semaine dernière, j'ai quelques films, pas beaucoup, mais la plupart sont quand même assez importants pour moi. Je pense à La mémoire dans la peau, qui pour moi est un film culte, voire même un film qui a su remettre au goût du jour le genre de l'espionnage en le modernisant. Je pense à Mystic River, qui reste l'un des plus grands longs métrages de Clint Eastwood, sans le moindre doute. Et il y a des films que j'ai qui sont un peu plus barrés dans la partie des M. Et alors là, le film dont j'ai voulu vous parler aujourd'hui, c'est un film qui n'est pas forcément un très bon film, comme c'était un peu le cas sur Michel Vaillant, mais un film qui a de l'ambition et qui essaye d'amener quelque chose d'intéressant dans son ambition. C'est un film d'épouvante, qui a souvent eu la réputation de n'être qu'un film avec Paris Hilton dedans. C'est tout. Le film, heureusement, va beaucoup plus loin que ça, parce qu'il s'agit de La maison de cire de Romé Colette Serra. Romé Colette Serra, qui par la suite deviendra surtout célèbre pour être le réalisateur de Esther. La maison de cire, qu'est-ce que ça raconte? C'est des jeunes qui ont une bagnole qui tombe en panne dans une petite ville qui semble complètement déserte et dans laquelle il y a une maison dans laquelle il y a des statues de cire. Et ces statues de cire sont extrêmement réalistes. C'est tout. Vous allez me dire, pour un film d'épouvante, c'est un concept un petit peu rigolo. Usité, jusqu'à la moelle, mais un peu rigolo. Disons que ce film, pour être sincère, a mal vieilli pour son écriture. L'écriture de La Maison de Cire est pas loin d'être ringarde. Et quand je dis ringarde, je pèse mes mots. Par moments, on a vraiment envie d'éjecter la galette de notre lecteur et de dire « c'est pas possible, ces personnages sont trop cons ». Le film vaut surtout le coup d'œil parce que Romé Colette Serra, qu'on connaît du coup aujourd'hui surtout pour avoir réalisé toute une panoplie de films d'action un peu bis avec Liam Neeson, comme Non Stop, ou Night Run, ou enfin des trucs un peu perchés, pas forcément très bons, mais ça se tenait. The Passenger est pas mal pour le coup, c'est peut-être un des plus intéressants dans le genre qu'a fait Romé Colette Serra avec Liam Neeson. Il avait réalisé aussi Instinct de survie. Enfin, en fait, le vrai intérêt qu'a La Maison de Cire, c'est que c'est Romé Colette Serra. Et Romé Colette Serra, c'est un plasticien qui est très très doué avec sa caméra. Ce qui fait que La Maison de Cire, malgré ses énormes défauts, reste un film très élégant dans sa mise en scène. Et qui a vraiment du style, qui essaye vraiment de le diluer au fur et à mesure d'une œuvre, où dès le début, on sait que visuellement, le film ne va pas être mauvais, qu'il va avoir un intérêt, qu'on va se laisser porter par l'histoire, parce que l'esthétique tiendra le coup. Et après, on se posera quelques questions par rapport notamment aux interprétations des acteurs, qui sont par moments, si ce n'est mauvais, pas loin du surjeu, de la caricature, de la lourdeur, de l'énervement, on a vraiment envie de leur foutre des baffes, mais en fait, c'est un film qui semble perdu dans le temps. C'est très particulier, parce que sorti en 2005, on a la sensation que ce film va aller chercher des gros clichés des années 90, va essayer de les ramener à notre époque sans réussir à trouver le contexte pour les placer correctement, et à côté, il y a ce modernisme au travers de la mise en scène de Romé Colette Serra qui attire l'attention, qui donne envie de se dire « eh, ça peut être intéressant », et rien que quand on voit les bonus, avec des scènes alternatives, des débuts alternatifs, des fins alternatives, un making-of complètement hasardeux, juste un making-of sur les effets spéciaux, enfin, on a vraiment envie de se dire que ce projet devait être extrêmement bâtard à la base et que, techniquement, il savait ce qu'il voulait faire. Romé Colette Serra, il a dû dire « Ok, il faut que le film il ressemble à ça, faut qu'il ait cette gueule-là, il faut qu'il soit beau visuellement, etc. » Et les scénaristes à côté, ben, ils se sont perdus. Et étonnamment, ces scénaristes-là, c'est ceux qui, par la suite, délivreront Conjuring. Donc c'est dire, on a quand même affaire à deux scénaristes qui, sur le papier, auraient pu nous offrir quelque chose de vraiment cool, et qui, à mon avis, se sont perdus au milieu de la démarche et ne savaient pas réellement comment exploiter leur sujet. Enfin, en gros, je sais pas comment vous conseiller La Maison de Cire. Moi, j'aurais envie de vous dire qu'il faut le voir parce que, visuellement, c'est un film qui est impressionnant, et il faut presque le voir aussi pour le contexte dans lequel il a été fait, c'est-à-dire cette impression qu'il est perdu au milieu des années 2000 tout en cherchant des clichés des années 90. Donc c'est un film qui a une temporalité bizarre en termes de création cinématographique, mais qui visuellement essaye tout de même de proposer quelque chose de beau et de léché. Donc regardez La Maison de Cire de Romé Colette Serra en sachant que vous allez potentiellement peut-être non pas vous ennuyer, mais vous énerver devant des personnages qui vont agir de manière débile, mais ça peut vous faire marrer, mais que visuellement ça sera vraiment un film qui va vous en envoyer plein la gueule et vous allez vous dire « waouh,
c'est quand même une petite claque. Et voilà, ainsi s'achève cet épisode 28 de Au coin du DVD. Comme d'habitude, ceux qui ont vu La Maison de Cire, vous me notez en dessous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me noter si ça vous avait fait rire le fait que le film soit vendu quasiment uniquement sur le fait qu'il y ait Paris Hilton dedans, alors qu'au final, elle n'est pas tant présente que ça dans le film. Et ceux qui ne l'ont pas vu, et ben, si vous avez l'audace ou l'envie de vous y risquer, essayez et revenez ici me dire ce que vous en pensez. Et puis d'ici là, je vais vous dire comme d'habitude qu'il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.